Vanessa. Donc vous m'entendez bien les filles? Oui. Parfait. Mon texte va se dérouler. Oh. Parfait, bon. Merci beaucoup Marie-France. Alors, noir. Tout le monde est prêt? Oui, c'est pas bon. Alors on y va. Mais je dis action, tu fais sur ta 3, 2, 1, action. Bonjour, mes élèves et moi vivons une belle expérience, faire une émission de télévision. Je me trouve présentement dans la régie du studio. On entend souvent parler de ceux qui travaillent derrière la caméra. Alors, les voilà! Voilà. Allô! Sans eux, une émission de télévision ne pourrait se faire. Bonne émission tout le monde! Parce que sinon c'est trop loin, il risque de prendre pas de problème. La mise au point, allez-y. C'est drôle. Pas mal de monde pour faire ce bulletin. Bref, vous allez vivre une expérience qui, je l'espère, sera inoubliable. Alors, je vous laisse travailler. Amusez-vous bien, surtout, et on se revoit à la fin de l'émission. Excellent. Merci, Patrice. Je vois pas le texte. Les Jeux olympiques de Vancouver arrivent à grands pas. Mais il y a aussi les Paralympiques. Et nous rencontrons un athlète. 3, 2, 1, maintenant. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission du Téléjournal Montréal. Les algues bleues gâchent la vie de bien des vacanciers. En effet, elles nous empêchent de profiter pleinement de l'eau de nos lacs. Le gouvernement canadien prend des mesures visant à réduire les phosphates. Bonjour Catherine. Les phosphates sont utilisés dans certains détergents. Le public nous donne les recommandations à suivre pour éviter les ennuis causés à notre santé par les algues bleues. Les aliments, les poissons provenant de ces lacs doivent être consommés modérément. Ce sont nos deux correspondants à Londres qui vont nous faire découvrir ces services. À Londres, court, par Internet ou par Tatarite culturelle et traditionnelle de ces communautés. Ces émissions peuvent également être écoutées sur Internet. Allons rejoindre notre collègue Jean-François Lépine de l'émission Une heure sur Terre. Bonjour Jean-François. Toute la soirée, durant la semaine, on va retrouver les correspondants. On présente aussi des reportages liés à l'analyste, des industriels, des gens qui développent l'économie internationale, bref, des gens qui font l'actualité internationale. Celle qui restait devant France, rendait leur adolescence. Le premier 45 tours, 33 tours au C. Les athlètes handicapés ont eux aussi leur comité organisateur. C'est le Comité international paralympique. Joseph Bouticlair, c'est son idole. Il rêve de faire comme elle. Question? En effet, c'est un... Bonjour Gab, c'est pour vous un grand défi d'aller là-bas? Bonjour, oui, et je ne suis pas le seul. Par exemple, les journalistes qui s'expriment sur différents sujets dans leur champ d'expertise et les invités à participer.
Beaucoup d'activités au Centre Bell. À la règle. Voici quelques spectacles. Il y aura un spectacle qui aura donc le spectacle de Stupagol, un hommage à l'énergie, la grâce et la puissance de la galette. Avec son spectacle condamné à l'océan. Et enfin, en mars, pour les... Il y a un spectacle très attendu vers la mi-novembre pour les fêtes. On dit que... Mercredi matin, à Radio-Canada. C'est passionné. Bonjour, Charles. Tous les dimanches à 18h30. Vas-y, Catherine. Pour toute question ou information supplémentaire concernant cet atelier télé, vous pouvez nous joindre à l'une des adresses qui apparaît à l'écran. Bonjour. Bonjour tout le monde. Question. Dites-nous, Christine, qu'est-ce que vous avez aimé? DVD 1. Écran 2, DVD 1. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler comme journaliste? Écran 2. Sur le plateau pour 3 heures sans arrêt, on n'a même pas le temps de lire les nouvelles avant de vous présenter. Pouvez-vous nous parler d'un reportage qui vous a particulièrement marqué ou d'une... La météo. Alors, que nous annoncez-vous pour les prochains jours? Eh bien, maintenant, ces vents sont le fait de l'ouragan Mawai-Shaa qui a frappé le sud des États-Unis il y a 2 jours. Tout devrait revenir à la normale en fin de semaine. Nuageuse en provenance du sud de l'Ontario, nous apporterons du temps incertain et peut-être même des averses le plus passager. Il y a même eu de la gel à verre dans les rangs. Voyons maintenant les prévisions détaillées pour les prochains jours. Donc, à Montréal, le ciel sera partiellement couvert ce soir. Il fera un minimum de 2 degrés. À partir de demain, le ciel se dégage. C'est notre émission pour aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder. Rejoignons Patrice Roy et deux de ses collègues qui étaient... On est mieux de se surveiller, là. Ici, Club des chaînes culturelles, voir la gang, vraiment, félicitations, vous avez très bien travaillé. Comme on dit dans le milieu du spectacle, vous méritez une ovation de vous. Félicitations à tout le monde. Oui. Je vous félicite, vous avez fait de l'excellent travail. Je suis très impressionné. J'espère que vous avez surtout eu beaucoup de plaisir à vivre cette expérience. Deux éléphants échappés d'un cliff sont allés se nourrir dans une cour. Les bassinaires avaient profité de Vanessa Marlowe et Catherine Dupuis. Thank you.